Good morgen, allez, Iden, les sus aujourd'hui, le Lunishmat, Rachamim ben Rosa, Chaya bat Tova, ainsi que dire Fouat, Rafael, Zavolun ben Chem, Alia, Miramat, Razedat, Ben Yodit, et Sarah, bat Bittir, Kabutor, Chachol Israël. Si vous souhaitez aussi devenir une prochaine étude de Misha, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maser Bechorot, Perigbet, Mishnah Aleph. Alokiach, Ubar, Paratosh, Nochri, Va Mocherlo, Afapishen, Orashai, Va Mishtateflo, Va Mekabel, Mimeno, Va Notenlo, Bekabala, Patur, Mena Bechora, Chenemar, Be Israël, Avalo, Ba Acherim. כהנים הלווים חייבים לא נפטרו מבכור בהמה טהורה ולא נפטרו אלא מפדיון הבן או מפטר חמור. Si vous étudiez attentivement les Mishnah tous les jours, alors cette Mishnah, vous avez l'impression de l'avoir étudiée. Et effectivement, cette Mishnah en arrière, 8 Mishnah en arrière, plutôt qu'on a commencé Prorot, la première Mishnah de Prorot, et c'était presque exactement la même chose avec une différence vers la fin. C'est-à-dire, on est en train de parler à présent, premier chapitre, on a parlé du Peter Chamor, de l'ouverture de la matrice d'une ânesse, qu'il y a une gloucha sur le premier né, Bechor, sur le premier anon qui va naître, et qu'il faut la racheter sur le mouton, ou bien lui briser la nuque, comme ce qu'on a appris durant tout le Perek Rishon. Perek Sheni, à partir de ce deuxième Perek, maintenant, on va commencer à parler du Bechor, du premier né, mâle, des bovins et ovins. On va parler de l'occurrence d'une vache, par exemple. D'accord ? On va commencer à parler, donc, maintenant, dans le gros sujet de Bechorot. On va parler des défauts, on va parler, ça va être un sujet assez vaste, étalé sur plusieurs chapitres. Je crois qu'on reparlera ensuite, qu'on changera de sujet, qu'au 8e Perek, on parlera du Bechor des hommes, des premiers-nés des hommes. Donc on a tout un petit morceau maintenant de 6 à 3 kim, qui va parler spécialement de. Qui va parler spécialement donc du rachat des premiers-nés des bovins et ovins, des animaux cachers. Succinctement tout d'abord. Pour les animaux qui sont bons à la consommation, alors, a priori, le Bechor est un korban. C'est-à-dire, lorsque je vais avoir un premier-né d'une vache ou d'un mouton qui va naître ou d'une chèvre, eh bien, ma mitzvah est de le donner au Kohen et que le Kohen le prenne au Beth Amikdash et qu'il en fasse un korban. D'accord ? C'est la mitzvah de. C'est un korban. Si toutefois il va avoir un défaut, alors je devrais le donner au Kohen, mais le Kohen pourra le consommer puisque maintenant il ne peut plus en faire un korban. La Mishnah, maintenant, elle va commencer donc, en prenant les mêmes sujets évoqués à propos de l'âne, en les adaptant à présent sur la vache. En l'occurrence, « Alokar ubar parato shem nochri », celui qui achète l'embryon, le bébé qui est pour le moment qui n'est pas encore né, d'un goy. C'est-à-dire, il y a un goy qui a une vache enceinte, elle est d'accord ? Elle attend un bébé, puis moi je l'achète. Donc maintenant, lorsqu'elle va mettre bas ce petit veau, il m'appartient. Est-ce qu'il y a une gdoucha dans ce petit veau? Et la réponse, elle est que non, il n'y a pas de gdoucha. Pourquoi? Parce qu'il faut l'ouverture de la matrice d'une vache B-Israël qui appartient entièrement à Israël. La vache comme l'embryon. D'accord? C'était le même principe qu'on avait exactement avec l'ânesse, qui devait appartenir entièrement au Israël et pas au Goy. D'accord ? Ça va être du même parce que Bé Israël, dans le peuple d'Israël. Et de ce fait, donc, Alokar Ubar Farato Shenochi, celui qui va acheter l'embryon d'une vache d'un Goy, donc je suis propriétaire que sur le bébé, avant qu'il naisse, ou encore Ve Abocherlo, ou encore si je lui vends moi la vache, et je reste propriétaire moi sur l'embryon, Afal Pishonor, j'arrive bien que je n'ai pas le droit de lui vendre une vache, comme ce qu'on avait évoqué dans le premier chapitre, qu'on n'a pas le droit de vendre des bé magasa à cause des problèmes de Melachot de Shabbat, c'est un sujet dans la Sekhata Vodazara. En tout cas, on n'a pas le droit de vendre du gros bétail au Goïm. Et bien que j'ai transgressé l'interdit de lui vendre le gros bétail, mais malgré tout, j'ai esquivé la kdoucha du Bechor, puisque maintenant, lorsque la vache va mettre bas, ce ne sera plus un animal qui appartient, qui est Bé Israël. Ou encore, va Mishtatef, ou encore si je deviens associé avec lui dans un animal. Et c'est d'ailleurs par là qu'on. D'esquive, ceux qui ne veulent pas perdre trop d'argent, les éleveurs, qui n'ont pas envie de faire la belle mitzvah de Peter Hamor. En général, de toute façon, on évite de faire la mitzvah du Bechor sur les vaches. Parce qu'une Gdoucha, c'est trop compliqué à manipuler. Donc on préfère esquiver. Et comment est-ce qu'on fait pour esquiver la Gdoucha? Eh bien, on vend au Goy, on lui vend un bout de l'oreille. Donc maintenant, il s'avère que la vache, elle appartient partiellement au Goy, on est associé. De ce fait, il n'y aura plus la Gdoucha dedans. C'est d'actualité, on procède comme ça aujourd'hui. Va Mekabel Mimenu encore, ou encore à Mekabel Mimenu, celui qui les reçoit d'un goy. Ou va Notenlo Mekabel, on va expliquer les deux en même temps, c'est le même principe.
C'est juste dans un double sens. Ou encore si je lui donne en Kabbalah, en Kablanout, en élevage. C'est-à-dire, c'est fréquent, il y a les riches, comme d'habitude, ils ont eux les fonds, et les pauvres, c'est ceux qui travaillent, comme partout. Donc concrètement, moi, je suis bien sûr le riche, comme d'habitude, et j'ai le, donc moi, j'ai des vaches, j'ai des tas de troupeaux, et j'ai trouvé un éleveur, il me dit, tiens, tu sais quoi, toi tu prends, je te la donne en Kabbalah. D'accord ? Lui donner en Kabbalah, c'est en gérance, où finalement, il va devenir engagé à assurer toutes sortes de pertes et tout ça, il est très engagé par la Kablanout. Et bien, malgré tout, même si concrètement la vache m'appartient, c'est moi le propriétaire attitré, il n'a pas le droit de la vendre, il doit juste l'élever et il doit me la rendre. Mais malgré tout, il y a un rapport avec l'argent, étant donné qu'il est engagé par le devoir de garantir le bien. Et alors ça fait qu'il est engagé, qu'il est un petit peu considéré comme propriétaire. L'animal, il est un peu considéré entre nous deux. Il est un peu au propriétaire initial et un peu au gérant. Il est entre les deux, donc c'est aussi une forme de foot-foot. Peu importe si c'est moi le propriétaire attitré et c'est lui l'éleveur, ou si c'est lui le propriétaire attitré et c'est moi l'éleveur, dans les deux cas de figure, puisqu'il y a à présent la main une main de goy mêlée dans la salade ici, eh bien ça fait que ça va le dispenser de la béchora. D'accord ? C'était les deux cas de figure. Donc, à Mekabel Mimno, c'est que j'ai pris de lui en gérance. Dans Tanelo Mekabela, c'est que je lui donnais au goy en gérance. Dans tous ces cas de figure, Patour Mina Bechora, il n'y aura plus de mitzvah de Bechor. Chez Nehemar, comme nous dit le verset, Be Israël. C'est répété plusieurs fois dans la paracha, Kadesh Kol Bechor, Be Israël. C'est dit dans. D'accord ? On répète le mot Be Israël dans le peuple d'Israël. Je vérifie juste un petit truc, excusez-moi. Bah, c'est le même verset exactement. D'accord ? Aval lo bacherim, chez les juifs et pas chez les goy. Les goy, ils n'ont pas mis à de Bechor. Ils n'ont pas été sauvés d'Égypte. D'ailleurs, c'est la raison, tout simplement. À présent, Kohanim ulvim chayavim. Les Kohanim et les Lévim ont la mitzvah de faire le Bechor. De faire le korban Bechor, le korban Bechor des vaches et des moutons. Ils ont leur mitzvah. C'est un très grand chidouche. Lo nifteru. Mais Bechor Behema Teora, ils n'ont pas été exemptés de la mitzvah de Bechor Behema Teora, des premiers-nés des animaux purs. Velonifteru Ela mi Pidyon Aben ou mi Peter Chamor. Ils n'ont été exemptés que de la mitzvah de Pidyon Aben, de racheter le premier-né des enfants des hommes, ou du rachat ou de l'ouverture de la matrice des ânesses. C'est-à-dire, on a expliqué, il y a trois domaines distincts dans la mitzvah de Bechor. Parce qu'on a été sauvés d'Égypte, parce que les premiers-nés ont été sauvés d'Égypte, alors Hachem, il a sanctifié tous les premiers-nés qu'on va avoir, qu'il s'agisse des hommes, qu'il s'agisse des behemoth ksherot, des animaux cachers, ou qu'il s'agisse même de l'âne, qui n'est pas cacher, spécialement, mais il a quand même une glucha. Ça nous fait trois domaines distincts. Pour l'homme, comme pour l'âne, eh bien, la mitzvah est de racheter uniquement la glucha de l'odonokon et c'est fini, c'est l'argent qu'on ramène. Tandis que dans les animaux, il y a une gdoucha, il faut en faire un korban. La Mishnah vient m'enseigner maintenant, par rapport justement au Chet à Egel, au Hachem initialement, peut-être qu'il faut un petit peu plus d'historique, c'est lié à la parasha de Shavua de Kittissa, et qu'on a passé, qui avait là-bas initialement la Voda, elle était prévue, le service était prévu pour tous les aînés de n'importe quelle famille. Il y a eu la faute du Vaudor, où malheureusement les premiers-nés d'Israël ont participé aussi au Vaudor, qui peu ou qui moins, mais en tout cas, chacun, tout le monde a pris une part, à l'exception du Shevet Lévi, la tribu des Lévi, que eux, c'est eux qui sont restés intègres et qui ont lutté contre tout le reste du peuple pour maintenir le flambeau de la Torah chez le peuple d'Israël et lutter contre. Et d'accord, quand Moshe Rabbeinu est descendu de la montagne, il a appelé les Shevet Lévi, ils ont tous pris leur glaive, ils sont partis, ils ont commencé à tuer tous ceux qui ont fait le Chet HaEgel. Et suite à cela, Hachem elle a dit, ben, vous savez quoi, désormais, la Kdoucha, elle va passer des hommes, des prorotes, aux Lévim. Hachem il va prendre à la place du Ham Israël, il va prendre les Lévim. D'accord ? De ce fait, il s'avère que maintenant, le Lévi, après il y a eu toute une histoire, ça a raconté dans le début de Bamidbar, comment ça s'est passé, qu'il a fallu trouver contre chaque juif qui était premier-né, il a fallu trouver un Lévi contre lui, il y avait une histoire entre 22 273 et 22 000 Lévim uniquement, donc il a fallu le racheter. Après, il y a toute une histoire, comment faire le Peter, le Pidyon Aben. Mais concrètement, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que par rapport aux hommes, un Lévi n'a pas besoin de faire le rachat des premiers-nés, parce que le Lévi, il est dispensé de tout ça, au contraire, lui, il acquitte les premiers-nés.
Il y a, par juxtaposition, on a dit aussi que le Lévi, il dispense de Peter Hamor. Il est dispensé de faire l'ouverture de la matrice chez les ânes aussi. Mais par contre, il n'est pas exclu de la mitzvah du Bechor, des vaches et des moutons et des agneaux, des chèvres, d'accord, les bovins, les ovins. Il n'est pas exempté de cette mitzvah. Il a une mitzvah quand même de... Quand il va avoir un premier-né, et ben, ça c'est plus lié par rapport à la santé d'Égypte. Il est aussi concernant en tout cas. Et la Torah l'a quand même imposé de faire de sanctifier le korban Bechor et de le donner au Kohen. Et même un Kohen aussi doit sanctifier son premier-né. Il ne devra pas le donner au Kohen, il devra le porter au Ben-Amigdash pour en faire un korban. Mais il a quand même une gdushat Bechor sur ses animaux qui naissent, au point où il doit en faire un korban. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Slacha Kol Tov. Salam.